juge d'instruction qui a instruit l'affaire a décidé pour te retendre monsieur. Donc il est allé nous matin de très tôt. Et puis nous venons avec monsieur. Pour que ça, l'audition va te finir vendredi? Non, il y a une question, il était besoin de poser toujours, ce qui a été fait. Combien de temps l'audition? Deux heures et demie. Oui, heures. Mais pas oublier que l'on juge d'instruction a conduit l'instruction au dossier. Il posait toutes sortes de questions et une bonne information que le gars a cherché à vérifier. Donc, ça doit expliquer que le juge d'instruction, si il y a un monde qui estime qu'il y a des informations, il attend des gens autant de fois que le juge est nécessaire. Par exemple, le gars doit deux mains, l'état de un co-détenu, co-détenu a des informations. Il pense que le pasteur Sanon mieux informé pour lui donner des détails, il retourne à l'île. Donc, comprenez bien. Dans le cadre d'instruction, c'est des bagages qui répétaient assez souvent. Non, par contre, c'est les besoins de l'instruction qui vont déterminer est-ce que l'attendait ou pas. Non, c'est-à-dire que le client lui-même, l'a expliqué au juge là, qui sait qu'il connaît dans le cadre dossier. Mais on connaît tout, en vertu du secret de l'instruction, et nous-mêmes, tout le secret professionnel que nous avons avec lui, nous avons un top détail. Ben, sauf que ça me capable de dire c'est que pasteur Sanon il était très confiant dans le processus là et puis il même l'a travail pour que le capable tirer d'affaire. Par contre s'il y a bien confrontation mais c'est juge qui capable connaître si oui ou non a fait confrontation entre pasteur Sanon avec d'autres personnes dans le dossier. Et si tu crois qu'il y a une confrontation est-ce que vous pensez qu'il y aura une parole bon naturellement il est en train de se défendre. Donc, si on confrontation, on a venu et puis la répondre par rapport à la question que vous posez. Je ne suis pas capable de dire non. Nous, dans le cabinet d'instruction, on ne peut pas révéler ce qui a passé au cours de l'interrogatoire. Là. Parce que c'est vrai que la presse doit avoir l'information, nous-mêmes, nous devons communiquer avec la presse pour informer le grand public. Là. Mais seul ce que je suis capable de dire non, c'est que l'IGRE était extrêmement confiant dans le processus là et ça qu'on regarde ouais chaque fois que il est venu ouais que l'a défend tête lui une carte que il défend tête très bien valablement jusqu'à présent. Merci. Dans un processus judiciaire on n'est jamais certain de la fin. Comment ça me dit non bien oui on est tant que pas un procès qui fait mon n'a été présumé innocent et c'est au terme de procès là où elle connaît exactement qui sa situation est parce que jusqu'à présent dans le dossier ça un paquet de flou qui entoure. Et ça fait que faut nous quitter, que faut instruction continue à avancer. Et au terme de processus, là, nous allons connaître exactement qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Non, mais quand même bien. Et si le dossier a été évident, je vais terminer avec instruction. Hein? Donc, si jusqu'à présent, il y a un cours d'instruction. Et les gens que nous comprenons, l'instruction capable de durer des mois encore, c'est que toujours il y a des zones d'ombre que vous pouvez élucider. Bon, naturellement, même si on répond ça, après, pour nous, quand même. En juillet, le 7 juillet, ancien président Jovenel Moïse, les mourir la Kaili, un certain nombre de monde qui ont accusé dans le cas d'assassinat, donc parmi lesquels le pasteur Christian Emmanuel Sanon. Maintenant, la police a fait une descente des lieux, ils ont arrêté lui. Mais ça, pour que nous songer, c'est que le pasteur, il est présumé innocent. Parce que le problème en Haïti, c'est qu'en Haïti, nous traitons comme des présumés coupables. Or, le grand principe par un présumé coupable, c'est que mon nom présumé innocent. Ce n'est pas lui qui pourrait établir l'innocence. Il présumé innocent, il revient au commissaire du gouvernement et à juge d'instruction éventuellement pour joindre des charges et indices contre lui. Mais lui est innocent. C'est mon nom qui peut venir avec pouvoir qui peut montrer qu'il est coupable. Monsieur.